Avec un peu de recul, il y a certains qui prennent un côté ou un autre, mais je crois qu'au-delà de tout, c'est le Cameroun qui doit passer avant les égaux et que les parties prenantes devraient trouver un terrain d'entente, un consensus. Ce que je peux vous dire, c'est que qu'on laisse Samuel Eto'o faire son travail et qu'on arrête les polémiques qu'on veut créer autour de ce garçon. Ce garçon, c'est un footballeur. Il a joué au football au grand niveau. Il est venu pour changer le football camerounais. Alors, qu'on le laisse travailler. Samuel Eto'o doit prendre sa place. Le ministre des Sports, c'est le patron des sports au Cameroun. Ça veut dire qu'en matière des sports, c'est lui qui est habilité à parler. Et c'est l'Africa Foot qui paye le coach. Même s'il est employé, il est mis à la disposition de l'Africa Foot. Mais c'est le ministère des Sports qui paye le coach. Donc Samuel Eto'o ne peut pas payer le coach. Je ne sais pas pourquoi il va venir décider sur le coach. L'essentiel est de mon côté. Moi, je veux seulement que les deux parties s'entendent et que notre équipe nationale nous revienne parce que les Camerounais supportent vraiment leur équipe. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire.